Bukavu City poursuit la séance de détection de jeunes footballeurs âgés de moins de 17 ans U17. Ce jeudi 3 août 2023, au stade de la Concorde de Kadutu, dans la commune qui porte le même nom. Selon l'initiateur de ce projet, M. Didier Mbayou, cette détection a pour but de dénicher certains jeunes talentueux en vue de les envoyer dans la carrière professionnelle. Madame Tito Mbayou, qui est venue suivre la séance ce jeudi, a encouragé le jeune joueur en lui rappelant que lui et son mari ont l'objectif non seulement de détecter le talent, mais ils veulent le développer et les aider d'en vivre. Leo nilipenda nikuye ni ba assister nione kazi yenye mko mnafanya humu maiki wanje. Na mimi nafurahi sana kubaona gisi mnye wote mko mnapiganisha na barisha niambia kabisa ki en tout cas majorité yenye mko ba meilleur. Mimi na ba féliciter na mujikaze tena mpate courage ya kuendelea mwangalie mbele. Parce que mnakia tu jiamize mwa hii terrain mais kila mtu anaiwe Kenya likiafanya. Nikia tu kubankuraje tu. Na kusema tena aksanti kwa disponibilite enu nye bote. Bukavu City est un projet de depuis janvier 2023 qui a commencé par la création d'une première agence de l'histoire de la province qui gère la carrière de certains joueurs et entraîneurs dans le souci d'aider les jeunes à vivre de leurs talents. La vision était d'une académie de 30 enfants. Subitement, le staff a été débordé par rapport au plan initial. Les trois premiers jours, les entraîneurs se sont retrouvés avec 325 élèves, a expliqué le coach Norbert Mbuyu. Bukavu City et son initiateur se présentent en sauveur du football de l'Est de la République démocratique du Congo qui connaît la situation d'une pyramide à inverser en allant recruter le joueur dans d'autres provinces et dans le pays frontalier.